Et on est reparti pour le part 4 de ce magnifique playthrough de Anna the Crab's Treasure. Yes! Part 3, assez divertissant. On a maintenant une balle de tennis sur le dos. On a roulé boulé. Yes, indeed. Interesting. Bon. Encore une barrière qu'on va pouvoir ouvrir une fois rendu de l'autre côté. Interesting. Ah, des canettes de Pabst. La bonne vieille Blue Ribbon. Quiet. Too quiet. Ouais, ça commence vraiment à me faire peur. De pouvoir voir un boss. Oh. Un pont en or. Kessekus. Pause. Nouvelle Carcinia. Ok, je suis down. Je sais pas si je regarde autour pour trouver quelque chose ou si c'est par peur d'avancer sur le pont. Ou peut-être un peu des deux. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Je sais pas si on va faire. Faut pas avoir une nouvelle fourchette. Éventuellement, ça pourrait être cool. Attends, je dis ça, mais je peux peut-être répondre à ma propre question. Il n'y a pas l'air de rien avoir pour côté attaque. T'as presque peur. Oh oh. Ok. Intéressant. Des photos de chute. Extraordinaire. Wow. Hello. C'est chouette de voir une nouvelle tête en ville. Et juste avant le jour des ordures en plus. C'est quoi le jour des ordures? Oh là là, il ne connaît pas le jour des ordures. Je ne vais pas gâcher la surprise, tu le sauras bien assez tôt. Je sais pas si je parle à juste tout le monde ou... Quoi que lui, il a l'air sympathique. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Et voilà la longue et complexe histoire de la route commerciale qui relie l'Étale à la nouvelle Carcinia. Wow! J'ai bien fait de rester pour apprendre tout ça. Merci, tonton Adi. Nice. Bon. Bienvenue à la nouvelle Carcinia. Un havre civilisé au cœur de la violence des sables du milieu. Un témoignage de la puissance de notre industrie. La ville de rêve. La grosse conque. Ça va. C'est pas une pape, by the way. Le pilier central de l'économie des ordures sans lequel la société des crustacés s'effondrerait. Comment je me suis retrouvé dans cette conversation? Tu veux connaître mon nom? Je suis Tortellini. Oh mon dieu. That's racist. Je suis chargé d'accueillir tous les voyageurs en ville. C'est vraiment un plaisir d'avoir deux nouvelles têtes dans une même journée. C'est beaucoup? Pas du tout. D'habitude, j'en croise 20, 30. Alors pourquoi? Attendez, vous avez bien dit deux? L'autre serait pas un requin transportant la coquille la plus cool que vous ayez jamais vue. C'est un ami à toi? Pas du tout. Je lui ai botté le derrière pour récupérer ma coquille. Oh oh, un ennemi juré! Cette journée devient de plus en plus passionnante. Je dois le rattraper avant qu'il ne vende ma coquille au premier venu. Vous pouvez me dire où il est allé? Aucune idée.
Après lui avoir souhaité la bienvenue avec enthousiasme, je me suis plus préoccupé de lui. Je serais un très mauvais hôte si j'observais les personnes que j'ai déjà saluées au lieu de me tourner vers les suivants. Excellent. Il est bien codé. D'accord. Dans ce cas, où est-ce que quelqu'un pourrait se rendre pour vendre une coquille? Je peux te suggérer 4 endroits. Il a sûrement essayé de la vendre chez Coquette Coquille, le magasin de luxe. S'il s'agit d'une vieille coquille, il a pu la proposer au conservateur du musée. Ah. Sinon, il est peut-être rendu au croc de la mer, le bord en bas du corail, pour l'échanger contre quelques ordures. Pour finir, c'est possible qu'il l'ait vendu au forgeron de la ruelle en échange de ferraille. Oh, un forgeron intéressant. Merci beaucoup, je vais visiter ces endroits. Bonne chance, Blanchette. J'aurais aimé te faire la visite moi-même. Mais tant qu'il reste des voyageurs à saluer, mon travail n'est pas terminé. I get that. Moi aussi, j'aime pas faire plus que ma job. Ok. J'ai comme plusieurs points d'intérêt qui ne sont pas écrits sur la map. Haha, nice. On marche sur une facture. Ok. On va aller chercher à ces différents endroits. J'ai pas envie de parler à tout le monde. Oh! D'accord. Il me récompense pour fouiller, fait que moi, je vais devoir fouiller partout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y parler. Peut-être le crustacé que j'ai croisé près du pont. Ah, ok, il est déjà rendu. Je m'appelle Estui, souviens-t'en. Vous avez l'air content. Vous ne venez pas de perdre tout votre argent? Mais non, mon ami, pas du tout. Un investisseur astucieux ne met jamais toutes ses coquilles dans le même... Il ne met jamais toutes ses arrière-trains dans la même coquille. Bien rattrapé. C'est mon but de la vie, mettre des arrière-trains dans des coquilles. Plus précisément, mon arrière-train à moi. Et encore plus précisément, dans la plus classe, la plus clinquante, la plus impressionnante des coquilles. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment, non. Je suis un amateur de coquilles, gamin. C'est ça la vie de Bernard l'Ermite. Je suis toujours à la recherche de meilleures coquilles que la précédente. Si tu es malin, alors tu en feras de même. Un essayeur d'opportunités pourrait s'offrir à toi, tu sais. C'est un des endroits où je peux aller voir. Non. Donc ici, il y a plein d'hameçons auxquels je peux m'accrocher. La question c'est, est-ce que ça mène à quelque part? On va bien voir. On se croirait dans Spider-Man. Oh. Bon, là, je m'enfonce. Ouh! What do we have here? Ouais. Yes! Extraordinaire! Là, maintenant c'est là que je vais aller. Je doute fortement que je me rende. Avec un saut. Yep. Oh ben oui, je me rends. Bon ben fantastique. Dollar des sables. Ok. I see. J'ai oublié l'équivalent dans Dark Souls, mais. Je m'en sers jamais de toute façon. Ok. Hameçon à Ardion. Ok. Bon, ici en partant, il y a un save. Puis bon, il y a la forge. Je peux bien faire une pierre deux coups puis aller là. Est-ce que je peux marcher sur les... Oui! D'accord. Pas de mouvement brusque.
Oh, il y a une éponge en plus sur laquelle je peux sauter. Il n'y a pas quelque chose. Ok, ouais. Un clou rouillé. Extraordinaire. Bon, une échelle. Pardonnez-moi. Est-ce que je peux monter sur l'échelle? Bon, ils m'ont bien eu. Ok. Ok, parfait. Quand même aller voir en haut. Et je prends un peu plus de montage. Ah, il y en a un autre ici. Il y en a plein partout. Ok, je vais la prendre tout de suite. Oh yes. Coquille de Natus trouvée. Extraordinaire. On va quand même la prendre. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire ici avec ça. On va déjà pour. Yeah! On va aller voir ça, cette forge. On va prendre celui d'en bas. On va pouvoir se téléporter. Quand bon nous semble. Yes! Fantastique. Bon! Bonjour, vous. Ah, charmant. Salut, petit gars. C'est de la belle ferraille que tu as là. Beaucoup de potentiel. Tu es venu pour la faire briller? Si tu parles de ma fourchette, je suis down. Avez-vous vu ma coquille? Je peux la faire briller. Bon, on va commencer par ça. Je ne suis pas sûr de vous connaître la réponse, mais... Est-ce qu'un gros requin désagréable vous a échangé une coquille contre de la ferraille? Ça vous paraît étrange parce que c'était un très... une très très belle coquille. Ouais, il est passé. J'ai brisé cette coquille en mille morceaux. Quoi? C'est pas vrai? Aussi vrai que j'aime les microplastiques. Non, attends. Tu as dit que c'était un requin, c'est bien ça? Oublie, je me suis trompé. J'ai vu aucun requin. Mais, qu'est-ce que vous avez compris? J'ai failli me faire une crise cardiaque. Pas la peine d'écrire, petit gars. Mes oreilles fonctionnent. On peut la faire briller? Quoi, ma fourchette? Oh, c'est juste un vieux déchet que j'ai trouvé dans mon quartier. Ouais, c'est un sacré beau déchet, petit gars. Apporte-moi des reliques à désosser. Je te montrerai de quoi ton déchet est capable. Ça pourrait être utile. Une relique inoxydable. Ok. Ouh, plus 5 d'attaque. À l'aise. Fourchette d'écrit améliorée niveau 2. Ok, puis comment que je sais, c'est... comment que... Perle immaculée, ok. J'imagine que je devais avoir ça là-dedans, j'imagine une relique... inoxydable. Dépenser deux reliques inoxydables, j'en ai pas. Ok, parfait. Excellent. Donc j'en avais une, et elle est moins rouillée. Excellent, mon dieu, mais ça répond à ma question de tantôt. Ok. Là, je pense qu'il y avait deux endroits d'un bas-fond où je pouvais aller. La dernière fois, Isla, le coup-coup, ce n'est pas un plan. Mais maman, il s'emprunte à Dorade. Et le coupe-coupe, ça marche à tous les coups. Dis-lui, Aiden. C'est cela, ta mère a pas tort. Dorade a affaire à des crustacés qui ne se laisseront pas si facilement avoir par le coupe-coupe. Qu'est-ce que le coupe-coupe? Bon. Je sais bon, d'accord. T'as un 5 des yeux. Oula, oula, attention. Ne fais pas un pas de plus, mon pote. Garde ta distance. Pourquoi? Pourquoi? Tu as de la vase dans les yeux ou quoi, mon pote? Tu ne vois pas ce que je suis. Je suis genre... Je suis le... What the fuck? Je suis le genre de mec à blesser tous ceux qui... ceux que je touche. Bon. Je suis sûr que vous exagérez. À mon avis, vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne à qui... et montrer votre affection.
Je peux vous faire un câlin. Ça vous aidera peut-être à vous ouvrir aux autres. Ma parole, t'es vraiment un drôle de spécimen, toi. Écoute mon conseil, va-t'en, d'accord? Tu m'écoutes ou pas? Tout le monde raconte la même chose. Ah! Le brave Eric ne peut pas être aussi piquant qu'à un tel... Ouais. Il a un tel sens de l'humour. Tu sais ce qui arrive ensuite? Je n'abandonnerai pas! Je vais vous faire un câlin! Quoi qu'il en coûte! Écoute, c'est sympa de faire des efforts. Mais ce n'était pas une métaphore. Tu vois, c'est piquant. Ils sont réels, mon pote. Ils piquent, c'est piquant. J'ai connu pire. Tu signes ton arrêt de mort, mon pote. Bon, assez plaisanté, mon pote. Sérieusement, arrête. Ça commence à devenir gênant. Je n'arrêterai pas! Je ne peux pas vous laisser comme ça! C'est très bien, crois-moi. J'ai été un peu excessif, excuse-moi d'avoir dit tout ça. Reprends ta route, oublie-moi, ok? Par Neptune, je n'ose pas regarder! Arrête de te faire du mal! Tu ne comprends pas qu'il ne faut pas m'approcher. Vous trompez à votre sujet. Écoute, mon pote, je comprends que tu aies envie de me sauver. Peut-être que tu projettes ta propre peur sur moi. Mais tu ne peux rien y faire. On est fondamentalement incompatibles, toi et moi. Il n'y a rien de sain à essayer de combler le vide en se blessant l'un l'autre. Ça n'est pas bien de t'imposer dans la vie d'une personne qui clairement exprime son désaccord sur la question. J'aurais aimé que ça fonctionne entre nous, mais tu dois tourner la page. Parfois, il n'y a pas d'happy end. Bill, ce n'est pas normal, mon pote. Fais pas ça par gentillesse, en fait. T'es juste complètement maso. Ou alors tu t'amuses à voir ma réaction à chaque fois que tu t'avales. Je refuse de continuer ce petit jeu. Tu peux t'en parler sur mes pics, je ne broncherai pas. Il y a une variante. C'est bon, d'accord. Bon, t'es Marine, tu es vraiment malade. Prends ma technique spéciale et dégarpille. Hein? C'est ça, je savais que ça valait la peine. C'est bien ce que tu voulais, s'emballer à la fête. Oui, indeed. On croise toutes sortes d'énergumènes dans le bol de corail, mais là, c'est le pompon. Le lancer d'oursin. Vous lancez un oursin qui s'accroche à l'ennemi avant d'exploser. Ah, ben tu vois une grenade! C'est assez extraordinaire! Gracias! Bon. Ok. Je vais être certain. Je sais pas si ici c'est un des endroits possibles. Bienvenue au Croc de la Mer, le meilleur établissement du côté du Limon. Salut, je m'appelle Krill. Je suis nouveau en ville. Je me disais bien que je ne t'avais jamais vu. Ravi de faire ta connaissance, Krill. Je m'appelle Nema. Si tu as de quoi payer, viens donc manger un bout. Mes petits et moi, on serait ravis de t'accueillir. On propose aussi un service de recrutement de passagers si ça t'intéresse. De recrutement de passagers? C'est quoi un passager? Sûrement déjà croisé. C'est comme ça qu'on appelle les petits gars qui s'accrochent à la coquille des petits gars comme toi. Comme des bernacles? Je savais pas que c'était un mot en français. J'avais barnacle, mais je savais pas. En tout cas. Exactement. Moyennement une petite somme, tu peux recruter toutes sortes de compagnons. C'est payant? Bien sûr! Beaucoup de nos clients sont seulement de passage en ville et ils recherchent la compagnie pour poursuivre leur route. Si tu te prépares pour un long voyage, tu devrais envisager d'en recruter. On peut vite se sentir seul dans le grand bleu, tu sais. Je vais réfléchir. Merci, madame. Appelle-moi Nema. Je ne suis pas si vieille que ça. Recruter des passagers, envoyer des passagers, augmentation de la capacité de transport de passagers, une coquille. Ouais, on va poser la question. N'est pas juste à la recherche d'un requin qui mettrait ma coquille. Ne serait pas passé par ici par hasard? Si un type comme ça avait nagé jusqu'à mon établissement, je m'en souviendrais. Désolé, petit. C'est pas grave. Pas de problème. Bon, je vais recruter des passagers. Ah, ok, ce genre de passager-là. Une lame de rasoir, rien de moins. Mais augmente la vitesse d'attaque. Morceau de métal terriblement aiguisé. Moins 33. Ok, ici. Ah, c'est cher. Étiquette de fruits. Mon dieu, ok. Écrou de roue. Attaque plus 33, mais vitesse d'attaque réduite. Ok, ici.
Particules de calage. Ouais. C'est aucun dégât quand vous chutez dans les abysses. Ok, cool, cool. Patel, ok, ouais, non. Ça, j'en ai. Ah, ok, ok. Fait que c'est des trucs que je peux trouver de toute façon. Autre crustacé. Alors des sables. Ouais, ici, ok. Intéressant. Augmentation de la capacité de transformer. On peut faire ça. 2500 microplastiques pour en avoir plus. Ça, c'est quand même intéressant. Quand même intéressant. Ok. C'est bon. Je reviendrai. C'est bon. Bon à savoir. Bon, comment je suis. Oh! On va aller voir. Il y a plein de choses intéressantes. C'est ça. C'est quoi? Je suis moi-même petit. Tu es encore plus petit que moi. Allons faire un tour dehors de la ville. Quand tu verras la taille des crustacés de la province, tu te sentiras tout rikiki. Pardon, l'ermite, to be fair, c'est pas très grand. Ou gros. Un petit labyrinthe. Ok, bon, moi c'est là où je vais aller. J'ai quelque chose derrière aussi. On va le chercher après. Wow, 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 wow. On se calme. Pince à pain. Yes. Faudra demander que je m'en serve. Passer mon stock un peu. Bon, ok. Fait que là, je pense que j'ai exploré les deux endroits dans les bas-fonds. Un pawn shop. Bon, donc comme il devait en avoir un troisième que j'avais oublié, ça sera pas out of character. Mon dieu, mais c'est immense! Haha! On l'a tous dessiné. Plusieurs fois. Je vais perdre de vue le pawn shop. Tout ça pour rien. Ouais, 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 ouais. Bon, pawn shop, nous irons. Je vais aller jaser avec lui avant. Oh, plein de choses partout. Extraordinaire. Est-ce que je vais le... Bonjour. Méfie-toi des gens d'en haut, Blanchaille. Ils te feront croire que tu es exceptionnel tant que, là, que tu l'as réussi, mais tu ne te laisses pas berner. J'ai traversé les sables du milieu pour m'installer ici. Tout ça pour qu'un crétin plein aux as avait promis de faire de moi un mannequin pour coquille. Moi, t'imagines? Autant te dire qu'il s'est débarrassé de moi à la première occasion. Croisant mon expérience, il faut s'en méfier comme de la tempête. Ils ne feront aucune bouchée de toi. Un sapin. Trop de monde. Si je peux rentrer à l'intérieur. Ah ah ah. C'est pas cassé notre chouette cristal. Tu plaisantes? Il est passé à côté, pouf! Ben c'est clair! Il était juste là! C'est fou ce que les jeunes se croient permis de nos jours. Ouais, c'est plus le bon vieux temps. Tu veux trouver un autre cristal sympa? Un peu que je veux. On ne va pas laisser un naze pareil gâcher notre mojo. Niaisy! Fuck you too. Bon. Bon, pour un pawn shop, il va falloir être vendeur, sûrement plus tard. Bon, il faut que je retrouve le moyen de monter en haut. Pléonasme, je le sais. Oh, il y avait rien à détruire, lui. Donc, je n'ai pas encore trouvé la bonne, quand même. Ok.
peux juste monter. Je suis désolé, personne ne peut rentrer pour le moment. On n'a pas encore fini de déblayer la route après le dernier jour des ordures. Ce serait bientôt terminé, promis. Vous allez vraiment nettoyer tout ça vous-même? Si je n'y arrive pas, je vais me faire virer. Alors oui. D'accord. Ah, fishnets. Fantastique. Yeah. Ça me fait une belle jambe. Excusez-moi, c'est quoi ce bâtiment? Bonjour, mon garçon. Se tient devant le musée de carcinologie de la nouvelle Carcinia. Parole de crustacé. Cool, je peux entrer? Toutes mes excuses, le musée est actuellement fermé au public. Nous sommes en train d'ajouter les touches finales à notre nouvelle exposition. Oh! Dites, je suis à la recherche d'un grand requin qui m'a volé ma coquille. Ne l'auriez pas vu par hasard? Non, je ne crois pas. Si je me promenais avec des biens volés, je commencerais par me rendre dans le bas de la corail juste en dessous d'ici. Compris, merci. Fais attention à toi là-bas, parole de crustacé. D'accord. Ok, c'était lui le point d'intérêt, parfait. Il faut aller de l'autre côté. Ah ah ah! Bienvenue chez Coquette Coquille, la boutique vedette de Crustacorp. Comment allez-vous, mon ami? En difficulté financière, ça se voit tant que ça? Oh que oui! J'imagine que vous n'êtes pas venu dans les hauts du corail pour faire un peu de lèche-vitrine. Il n'y a aucune honte à cela, vous savez. Vous n'êtes pas le seul à profiter d'une pause pour venir admirer nos coquilles de luxe. Vous avez 5 minutes avant que votre pause devienne inconvenante, alors profitez-en. Ah! Ah! 40 poissons. Ah, ok, il y a 5 d'attaque, ok. Cool, ok, il y a du stock quand même. Wow, 15 000 chaussures de bébé. D'autres chances, surprise. 25 000. 40 de défense pour rien. L'or. Domestic Real. Je viens juste détruire ce bazar pour éviter de tout. Vous allez pas faire 10 minutes. Monsieur Krill, oh my god. Minuit. Adoptez une apparence intimidante. Les gens cesseront peut-être de vous parler dans les transports en commun. Mais rien n'est moins sûr. D'accord. Assurance coquille. Ok, fait que ça, c'est, j'imagine, c'est ceux que j'ai perdus. Je peux les récupérer. S'ils sont rares, c'est bien. Peux-vous ma coquille? Est-ce qu'un gros requin a essayé de venir vendre une coquille récemment? Oui, tout à fait. Je lui dis d'aller voir ailleurs. On ne prend pas de la seconde main ici. Même si c'était le cas, je n'aurais jamais accepté de la camelote déglinguée qu'il a fait à fourrer. Je ne sais pas où il est parti après ça. Personne ne fait attention à rien dans cette ville. Mais c'est cool! Il ne peut pas être loin. Je dois retrouver ce satané scale. Cette ville est immense. Je ne trouverai jamais ma coquille. Cet endroit est ridicule. Et bruyant. Pourquoi tout le monde s'en prend à moi? À chaque coin de rue, quelqu'un essaie de me détrousser. Ou de me vendre la camelot. Approchez, approchez, chers concitoyens. Ah ah! C'est la grande ouverture du pêcheur sur gage. J'aime ça, pêcheur sur gage. Tous nos articles sont d'authentiques merveilles du bas-fond. On a du plastique, du métal, du polystyrène. Des déchets qui dépassent vos rêves les plus fous. Mais... Ouh, ça reste. Mon dieu, j'en veux un. Extraordinaire. Je rêve. C'est ma coquille. Il est sérieux. Il me suit toujours. Ok, reste en calme. Je ne vois pas de quoi tu parles. Rends-le-moi. Un requin perfide me l'a volé.
Alors, premièrement, j'ai trouvé ce requin super sympa. Et deuxièmement, c'était une transaction en tout bien, tout honneur. Si tu la veux, tu vas devoir me l'acheter comme n'importe quel autre article de la boutique. C'est comme ça que ça fonctionne, un pêcheur sur gage petit. Combien elle coûte? Et avec quoi je peux vous payer? Tout dépend de ce que tu as à offrir, gamin. J'ai quelques microplastiques et du fil. Écoutez, cette coquille compte vraiment beaucoup pour toi. Je pourrais peut-être travailler pour vous. Je suis prêt à tout. À tout? Oui, j'imagine que je pourrais te confier des tâches laborieuses et inutiles à réaliser pour récupérer ta coquille. Pour commencer, tu pourrais retirer les bernacles qui me collent au... Attends un peu. Tu entends ça? Entends quoi? On continuera cette conversation plus tard, petit gars. L'île aux déchets est arrivée. Ça me prend toujours de cours. Il faut que je me prépare, sinon je vais rater les meilleurs plastiques. Hé! Hey, j'avais encore des choses à vous dire. Trash Day! It's Trash Day! Everyone get your baskets! Don't miss out! Back off! I saw it push! Get your own trash, pump suckers! Wow! Wow! What is that thing? I've never seen anything like it. It's a message from the captain! It's got his face right on it! It's gotta be! Excuse me. Excuse me, please. Pardon me. Excuse me, young lady. As new Cassinia's official historian, I'm sure I can shed some light on... My God! If I'm not mistaken, this is... part of a map! A map showing the way to a most valuable treasure, I say! If someone were to find its missing pieces and decipher them, why, they'd be rich beyond their wildest dreams, I say! Rich? I like the sound of that. That treasure's as good as mine. I'll be able to afford the flashy shell in the ocean, you know? Not if I get there first! Think of all the tourists that treasure can bring to our city! Well, don't you count out us bottom-siders. You'll be eating your hat when I get that treasure and fix up my restaurant. It would appear the hunt is on, I say. The first stop on the map seems to be the forest to the north of here. May the best, Crab! Apologies for the interruption, folks. Uh-oh. I seem to have misheard something. I could have almost sworn there were some citizens here planning on unearthing some valuables. Need I remind you all how threatening the ocean is outside this reef? I'd hope it would go without saying that the duty of such a dangerous excavation would fall to the Shellfish Corporation. That would be safest for all involved. Don't you agree? Yeah, we hear you, Roland. No problem. Then, as Shellfish Corp's CEO and this fair city's de facto mayor, I suppose no one would have any objections to my taking sole control of this treasure hunt. Are we all in agreement? Oh dear. I suppose that sounds all right with me, I say. You hear what they're talking about over there? Sounds like some kind of crazy treasure hunt. Hey, kid, I just got an idea. If you can go get that treasure they're jawing about, I'll gladly trade your shell for it. For real? You'd really do that? You bet. A prawn never goes back on his promise. Aw, yeah! I'm gonna find that treasure! Yeah, you go, kid. Roland can't tell us what to do. That treasure belongs to whoever can find it first. The corporations don't control us! I suppose a little friendly competition is only fair. I hope you know what you just dove into, kid. See you in the open ocean, treasure hunters. Nice. The hunt begins. Eh ben, c'était dément avec un M majuscule.
Tu t'es vraiment mis les pattes dans les plats, gamin. Le calmar qui tourne autour de Roland n'hésite pas à zigouiller ceux qui s'opposent à lui. C'était votre idée. Hé, hey, ce n'était qu'une suggestion. Mon œuf tient toujours, cela dit. Si tu m'apportes le trésor, la coquille est à toi. D'accord, et par où commencer? Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, l'ancien. Tu dois te rendre au bosquet, loin au nord d'ici. C'est un sacré périple qui t'attend. Super. Bon, j'imagine que je n'ai pas le choix. Je dois partir à la chasse au trésor, que ça me plaise ou non. Ah oui, dernière chose. Si tu tombes sur d'autres déchets, je t'en débarrasserai contre quelques microplastiques à un prix honnête. Ok, quel genre de déchets? Ah, ici. On va mettre dans le brochure d'adversaire. Oh, ouais, c'est bon. Relix. Oh, wow. 5000. My God. Maison. Défense 50 pour M. Aucune capacité. Œuf de requin. Sinon, je pourrais vendre ce genre de trucs-là. Perle maculée. D'accord. Fait que c'est pas mal ça qui est ça, hein? Bon, pourquoi sur une couleur différente. Comme c'est passionnant. Je vais participer à cette petite chasse au trésor, moi aussi. Il faut absolument que je la documente pour mes abonnés. Qui sont vos abonnés? Mes abonnés, quoi? Ils me suivent partout. Ils sont désespérés de connaître mes moindres effets et gestes. Quoi, tu veux dire que tu n'en as aucun? Oh là là là, une vraie chasse au trésor. Ce genre de choses qu'on ne voit que dans nos livres d'enfants. C'est quoi qu'on devrait affronter un requin? Ou un ver bobbit? Ou bien une de ces monstruosités que l'on terre dans les profondeurs de l'évacuation? Rien de tout ça, j'espère. Bon. Ok, donc rien à faire avec ça pour l'instant. Maintenant, partons à l'aventure. Je pense que j'ai rien tué encore. Ok. Bon. Je tombe en bas. J'imagine. C'est le pont qu'il y avait au début. The Sand Between. Ok, donc même pas. Allons-y. Dans le bas de la ville, parfait. Ouh! Ah, ok! C'est le genre de pouvoir-là. Il est là! Ok! Excellent! Fantastique. C'est un peu plus open ici. Il faut que j'aille dans une espèce de forêt. Et probablement ici, si je ne m'abuse. Il y en aurait plein de belles choses. Ouais, bon, je vais longer à gauche. Oh! Hey, c'est le vorace. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Okay. Oh, God! Qu'est-ce que c'est ça? Wow, 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 wow! Aha! Yes! C'est bon, en plus, ça se... Oh!
solide en plus. Foiré, oui. Ouf. Wow! Wow! Me démonter à la face. C'est bien parti. Ok, bon, fait qu'il y a ça. Je dois avouer que lui, je m'y attendais pas. Bon, je vais récupérer mes 800... Mes 800 souls. J'avais-tu eu une coquille? Peut-être même pas. Ah non, j'avais ma balle de tennis, c'est vrai. Je n'ai rien dit. Bon, fait que moi je suis à quelque part par là. Lui il doit pas être bien loin. Au moins qu'il soit pas là tout le temps. Ok. Bon, c'est ça. Amène-toi. Wow. Ah ouais, il me fait peur en plus. Yes. Oh, oh, wow. Or... Oh! Non! Oh, je sens que ça va être quelque chose, ça. Oh, ouais, pour vrai! Ha! Wow! Wow! Ça va être extraordinaire. C'est cool, la grenade. J'aime bien. Non. Mauvais départ, très mauvais départ. Oh non, je l'ai manqué. Non, j'ai fait pour l'overshot et il fait le main mince. Oh non. Wow! Et s'il fait ça, c'est terminé. Wow! Pagurus le vorace. Incroyable. Ouh, j'ai hâte de voir combien d'attempts ça va me prendre. Oh oh. Est-ce que je peux me sauver ou c'est pas une option? Ben voyons donc. Pour vrai, d'un coup. Wow! Incroyable! Fudge! Quite something indeed. Là.
supposé frapper à ce moment-là. Non! Toi! Oh, what the f... C'est quoi, c'est écrit des cratères? My God! Oh, je sens que ça va être long. Pagurus le vorace. Wow. D'accord. Souls. Oh! Wow! Non, j'ai passé tout droit! Oh! Pas si pire, c'est juste 800, mais quand même. Ah, c'est pas ça. Est-ce qu'ils sont sous terre? Un sachet. Idéal pour ranger son équipement de pêche. Tous les crustacés en vol 1. Tous les poissons en ont peur. Augmentez votre nombre d'hameçons rendus, ok? Ah, c'est ça, il est comme sous terre! Yes! Wow! On s'en va de ça. Yes! Pff, comme ben des shots! Ma première tentative est tout le temps la meilleure! Got a bad feeling about that one. Je sais pas s'il me faudrait une meilleure coquille. Whatever that means. Bon, oh, on commence par la prendre. C'est incroyable quand même. God. Combien de siècles ça va me prendre? Plus d'astuces. Il me semble que c'est de plus en plus loin. Non! La.
Tue-le! Ah, je m'enfonce encore plus! Et là 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 là! Oh non 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 non! Oh! Où c'est que je m'en vais? J'en ai aucune idée! Ah, j'ai quasiment pas avancé en fait. Oh non. Tiens, je vais tuer ce truc-là. Ah ouais, hein, c'est ça. Voyons, on va essayer de rester proche d'ici, là. Non, mais ça va faire dévorer quand même. Je dois savoir qu'il y a des règles à respecter au milieu. À l'extérieur du milieu. Notamment, des précautions à prendre pour éviter que ce type, moi je pense que je l'ai rencontré, de t'inspire hors de ta coquille pour te gober tout cru. Tu vois ces arches? Les crustacés qui se rendent fréquemment dans la région voisine ont odorisé les routes. Odorisé? Oui, c'est-à-dire qu'ils y ont répandu des odeurs qu'ils n'aiment pas. Même s'ils te trouvent appétissant, ils ne s'approcheront pas de tes routes. Mais de qui parlez-vous? Non, non, on sait très bien. On sait très bien. Quoi qu'il arrive, ne t'éloigne pas des arches. C'est compris, petit? Et te poursuit. Et s'il te pourchasse, rejoins la route aussi vite que possible. C'est compris. Great! T'as pas pu me dire ça avant? Il me semble que c'est quand même une petite marche à prendre. Hein? La route. Ça, en plus, il y a des trucs qui brillent en chemin. Hein? C'est fait pour me faire sortir. Oh, c'était peut-être pas un bon deal! Ah! Hey, je t'alarche, je t'alarche! Yes! Excellent! Ok. On va à la prochaine bouée. Mon or. Mon or. Mon Dieu. Parfait. On suit l'arche. Oh ben non! Pour vrai? Waouh! J'avais même pas remarqué qu'il me restait si peu de vie. Bob, moi maintenant je connais l'astuce. C'est bien. On va sûrement devoir le tuer plus tard de toute façon. Je suis pas mal convaincu. Ah. Note à moi-même toujours parler au monde qui ont une petite bulle verte au-dessus de leur tête. Bon, d'accord. Je vois que tu décides d'impliquer sérieusement dans cette chasse au trésor. Bien sûr, c'est le seul moyen de récupérer ma coquille. Ne te vexe pas, mais je n'étais pas certain que tu tiendrais le coup. Un crustacé innocent comme toi n'a rien à faire dans les sables du milieu. Je suis très courageux. C'est sans en que je puisse rentrer chez moi. Dites-moi où je dois aller. Oh, finalement, je crois que je t'ai sous-estimé, mon garçon. Tu sembles être prêt à foncer dans le tas et à te faire tuer au nom de la science. On a les larmes aux yeux. Parole de crustacé. Puisque tu n'es pas... D'ici, je vais te donner quelques explications. Au nord d'ici se trouve le bosquet, qui abriterait autrefois un village de spiritualistes reclus. À l'est, il y a le Val aux débris, la cité ouvrière de Crustacorp. Quant à l'ouest, je te déconseille d'y mettre les pattes à moins d'avoir une bonne raide. Mais peu importe, la carte du capitaine nous indique d'aller vers le nord, en direction du bosquet. Retrouve-moi là-bas et nous discuterons de la suite des événements. Oui, monsieur. Yes, sir. Need my soul.
sont quand même bons. Ils ont du reach, les petits. Ok, ça va faire. Enough. Par là? Non, c'est par là d'où je viens. Donc, par là. Oui. Ah ouais, brillant. Non, non, non. Ah non, pas ça. Oh, j'avais bien ce coquille, il me semble. Yeah. Ouf! Pour vrai! Oh my god, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Bon. Ah, je peux. Mon Dieu. Absente 30 secondes. Puis... Je m'amuse avec des astuces. Bon. On va traverser ça, cet enfer-là. Certainement mieux ça que rien. Un petit gobelet à beer pong. Bon, je peux voir mes sauces d'ici. Une autre balle de tennis. Non, non, non. Bon, on continue. Ah ah! Qu'est-ce qu'on a ici? Plein de choses en fait. Yes! Un autre pain sapin. Oh non. Wow! Bon, ben bon, merci. Plancton, une joyeuse bande d'amis photosynthétiques. Consommer une cosse de thalassé restaure un peu d'une amie. D'accord. Je vais revenir pour le temps. C'est la première fois que je me trouve aussi loin de chez moi. Regarde, ici on peut même apercevoir le bosquet. On va vivre une aventure incroyable, je le sens. Mm-hmm. Ou si j'en suis persuadé, mon petit stéréotype italien. Est-ce que j'ai assez pour un niveau? Non. Un niveau 27. Non, pas encore. Il me faut 1600. 2000. 2050 pour le prochain niveau.
Et c'est ce qui va conclure cet épisode. Ça aurait été beaucoup de blabla pour l'épisode de plus, comment dire, avec le plus d'action, hein. Mais quand même, on a avancé. On sait qu'il y a une immense créature qui veut juste nous tuer ou nous manger dans les environs, fait que c'est quand même le fun. Donc au prochain épisode, on va pouvoir aller explorer le fameux bosquet, puis là, il devrait avoir plus de bastons et des boss, évidemment. Peut-être d'autres montages, qui sait. Fait que d'ici là, faites attention à vous, et n'oubliez pas de subscribe si vous aimez ce que vous voyez. Puis, à la prochaine.